make the ground shake. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est Tonton le médecin aujourd'hui et je vais pratiquer une chirurgie à une personne avec le maillot du bled tout simplement. Je pense que la personne est en confiance, il n'y a pas de problème. Hop. Sinon, c'est quoi l'opération d'aujourd'hui madame? Opération de rein. On va lui opérer les reins, ok. Bon, ça va être un sacré travail hein, tout simplement hein. Ça va être beaucoup de boulot je pense. Tu dégages, merci, j'ai pas besoin de toi. Hop, c'est parti, on attaque l'opération. Non, ça va pas se faire s'il y a des bouts de verre dans son ventre. Hein. Donc, où ils sont les reins, à peu près, Madame Lia? Bah, ils sont là-haut. Ou ils là-bas. Sont là-haut? Ou là-bas. Ouh là là, s'il y en a qui ont fait de la médecine dans les abonnés, bon, je m'occupe de toi. Hein. Bon. On va y arriver les frères, vous allez voir, on va lui péter ses côtes. Hein. Par contre, il y en a, ils m'ont dit, ah ouais, mais Game X13, tu l'as démonté, tu lui as arraché ses côtes. Bah les frères, on est bien obligés de passer par les côtes si on veut aller au ventre. Hein. À moins que j'arrive à aller lui chercher le rein et tout, ce serait compliqué. On est obligé de passer par les côtes. Et vous inquiétez pas, les côtes, c'est comme les dents, ça repousse. Non, je rigole. Ça repousse les côtes? Là, elle est gênée parce qu'elle ne sait pas quoi répondre. Je sais pas si ça repousse les côtes. Enfin, Ça se répare, ça se répare. Ouais, ça se répare, mais ça pousse pas. Et là, t'es en train de perdre du sang, hein. Je sais pas si tu vois. Ah merde, oui. Vous voyez pourquoi il faut toujours avoir une seconde main, on va dire. Une assistante. Voilà, une assistante. Moi, j'appelle ça une seconde main. Merde, qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais voilà, une assistante. C'est vrai que c'est plus respectueux qu'une seconde main, parce que là, c'est limite une insulte, une seconde main. C'est une insulte, hein. Non. Et t'es content? Non. Ben voilà. Tu veux faire la maline avec moi? Merde, j'ai perdu le ciseau. Et voilà, c'est à cause de toi. Il y en a d'autres, regarde là. Voilà. Ben et voilà. Voilà, on a perdu le deuxième ciseau. C'est à cause de toi. On va réussir. Oh oui. On est trop fort, hein. Je sais. PGM de Night qui tue. Alors, on va essayer là d'extraire parce que bon, je vais pas vous mentir, avant la vidéo, j'ai un peu testé. Parce que si on teste pas en fait, on sait pas où il faut couper et il y a des endroits où il faut couper. Donc voilà, les endroits où j'ai coupé là, c'est les endroits exactement précis. Hop, on dégage tout. C'est l'endroit exactement précis, les frères, où il faut couper. Si vous allez couper à droite, à gauche, plus haut ou là plus bas, ça se coupera pas. Tu peux couper un an, ça se coupera pas. Par contre, pour les abonnés, les vilains petits garçons qui m'ont dit « Oh, on veut pas Gaming 13 que tu nous opères, j'aimerais pas avoir un mec qui m'opère comme toi. » Bah, en attendant, le mec, il est en vie maintenant. Et il a retrouvé sa femme, ses deux femmes, son petit chat et ses deux hamsters. Voilà. Il les a retrouvés. Voilà. Donc moi, je considère que j'ai fait mon travail. Après, lui, notre patient qui s'appelle Bob, ouais, on va lui donner... on va lui mettre un... Comment on appelle ça déjà? Une écharpe. Une écharpe, voilà. Une écharpe, voilà. Voilà, Bob. Tout simplement. Une écharpe. Oula, attendez, on va l'enlever. Alors, on peut lui mettre ça sur l'œil pour pas qu'il voit ce qui se passe. Oh, non, c'est bon, Bob. Reste avec tout ça. Tu... Garde un peu tes affaires, Bob, ok? On va te les remettre après. Là, on va prendre le ciseau. Et là, il va falloir couper et enlever le reste parce que les reins sont juste là. Là, vous voyez, en bas, là, ils sont juste là. Donc, vous savez, ce genre de vidéo-là, c'est vrai qu'on rigole un peu, on dit un peu de conneries. Mais en même temps, on apprend quelques petits trucs, vous voyez? Et certains se sont même plaints un peu, on va dire, de mon titre qui a été vidéo choquante. Donc tout simplement, vous verrez que ce genre de vidéo-là, ça peut choquer certaines personnes, parce que oui, vous, tant mieux, hein, tant mieux que ça vous choque pas, et que vous êtes de grands garçons et que vous n'avez pas peur, mais tout le monde n'est pas aussi courageux que vous, tout le monde n'est pas aussi, voilà, aussi costaud, ok? Il y a des gens, ils ont peur à la vue des boyaux, à la vue du sang, il y en a vraiment, ils ont peur, hein, et ça, il faut le respecter. Et ça, il faut le respecter. Putain, oh, on va y arriver, là, par contre, le rein ne me respecte pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on respecte pas? Merde. Oula. Bah, on respecte pas non plus. Voilà. Tu me respectes pas, salopard? Tu veux pas dégager, toi?
Bon, excusez-moi si vous avez l'impression que je conduis, mais c'est avec les gestes de la manette PS4 que ça marche en fait, à peu près au niveau de l'équilibration de la main. Putain, j'arrive tout le temps à le faire et là j'arrive pas comme par hasard. T'as pas remarqué? C'est bizarre, hein. Oui, on a réussi. Oh là là, les gars. Putain, mais oh là 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 là. Eh, franchement, les gars, si un jour vous avez un problème, vous demandez de venir à Grenoble, vous venez à l'hôpital de la tronche et vous appelez Tonton GameX. Tu leur demandes Tonton GameX 13, je viens, je s'occupe de tout. Pendant que tu dormiras, tu s'occuperas de rien. Et il y en a même, des fois, dans l'espace commentaire, ils croient que c'est mes vraies lunettes. Alors là, on voit du tout l'abonné qui est jamais venu sur ma chaîne. On voit les nouveaux abonnés. Hop, on lui jette, on n'a plus besoin. Hein. Non, je veux dire, il en aura besoin plus tard, mais bon. Ça, c'est pas à nous de le faire. Nous, notre but, c'est de lui mettre vraiment les reins. Vous voyez. On va s'occuper de la suite, donc. Oula. Ouais. En fait, il va falloir enlever, vous voyez, les petits fils orange, là. Il va falloir lui décoller. Voilà, on a fait un, on va faire le deuxième. Oula. Ouh là là, c'est mal parti là. On va plutôt lui... Oh, le ciseau il s'est bloqué. Merde. Mais pourquoi il faut que ça me fasse ça en vidéo? Et voilà, le patient il est en train de crever. Oh, pourquoi? Pourquoi ciseau? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Saloperie de ciseau. On va prendre la piqûre. On va le piquer pour qu'il arrête de crever parce que là, il va pas tarder à nous lâcher. Voilà, on pose le ciseau. On va chercher le ciseau là. Enfin, à l'intérieur. Là. Enfin, le ciseau, putain. Il veut pas sortir. Putain, il a fait son nid. Ah! Merci. Oui! Ouh là 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 là. Franchement, les gars, venez me voir. Moi, je vous dis, venez me voir. Eh, ne croyez pas les gars, sur une table d'opération, là tout ce que vous voyez là dans la vidéo, ça se passe réellement à peu près comme ça. Hein. On vous coupe les bordels. Hein. Croyez pas que on va venir, on va vous le couper avec une petite cuillère à soupe. Hein. On va vraiment vous le couper avec des trucs comme ça. Hein. Et je rigole pas. Hein. Mais faut pas avoir peur les gars, parce que le but c'est que vous êtes comme lui, comme Bob, vous dormez. Donc le médecin il peut s'amuser à vous jeter des trucs sur la tête, vous voyez, genre tes membres, tu vois. Non, je déconne. Non, mais sérieux, les gars, il faut pas avoir peur. Hein. Si un jour vous avez une opération ou quoi, il faut être courageux, les gars. C'est important d'être courageux. Hop, tiens, Bob, garde ça aussi. Voilà. Vous voyez, Bob, c'est un mec qui aime bien garder un tout petit peu. Il est vraiment, vraiment super, le Bob. Voilà. On va y arriver, les gars. On va encore faire un sauvetage. Oula, on va le faire. Allez. Allez. Ouais. Oui. On a réussi les gars. Donc ça fait deux vidéos comme ça. Deux sauvetages. Donc je suis totalement fier de moi. Je sauve des personnes ces derniers temps. J'en suis très très fier. Donc tout simplement les frères, comme je vous le dis très souvent, c'est une nouvelle série. Donc si vous avez apprécié et que vous en voulez encore plus, n'hésitez vraiment pas à la liker tout simplement les gars. N'hésitez vraiment pas, je compte sur vous. Ok. N'hésitez pas non plus à la commenter et pourquoi pas à la partager sur les réseaux sociaux. C'était votre tonton, à la prochaine les frères, tchuss! Ciao!